Papa, papa, je vais t'emmerder dans un bunker comme Anthony. Allez, c'est parti! Eh bien voilà les amis, nous sommes dans le bunker. Donc là, on vient tout juste de poser les affaires. Je vous fais le petit tour du propriétaire. Donc il y a deux pièces principales, donc ici et ici. Donc là, je présume qu'il devait y avoir un canon anti-char. Là, on peut voir le renfort en acier trempé tout autour. Là, c'est les créneaux donc pour fusil mitrailleur. Et on a une pièce en dessous. On va les visiter. Donc il y a cette petite pièce ici. Et un couloir qui mène à un créneau au bout, donc avec un fusil mitrailleur aussi. Qui protégeait l'accès d'en face. Et donc là, ce bunker est vraiment safe, vraiment. Donc il n'a jamais été bombardé. Je n'ai pas eu connaissance non plus depuis l'histoire qu'il était attaqué. Donc il est vraiment en parfait état, aucun risque d'éboulement, vraiment nickel. Voilà, sinon je ne serais pas là avec les enfants. La porte blindé fonctionne. Donc là, on est vraiment en totale sécurité. Personne ne peut pénétrer depuis l'extérieur. On est vraiment nickel. Et bien, les amis, c'est apéro time. On s'est posé un petit peu à la va-vite, on va dire, pour faire ce petit apéro. Après, on va peaufiner. Là, franchement, on est bien. T'es bien, toi? Ouais. Et toi, Ambre? Bien. Alors, ça te plaît? Qu'est-ce qu'on pense? Donc, t'as vu ce qu'on fait avec ton frère? Surtout, c'est bien chaud. Ah oui, on est bien isolé là. Dehors, il fait extrêmement froid, les amis. Je peux pas vous dire quelle température, on n'a pas pris le thermomètre, mais on n'est pas loin du négatif. Là, par contre, on est vraiment bien isolé là-dedans, c'est au top. C'est au top. Alors, ça te plaît vraiment? Ouais. Bon, ben voilà, t'entends, fais ça avec ton frère, hein, pas tout le temps. Généralement, on explore les bunkers et de temps en temps, on pioche dedans, c'est une petite soirée tranquille. Tout en respectant les lieux, bien sûr. Nous, on ne tague pas, on ne saccage pas. On repart avec nos déchets. Quand on fait des déchets. Alors là, par contre, il y a un qui est un petit peu par tout à l'heure, parce qu'il y a quelques petites toiles d'araignées, par-ci, par-là. Il y a aussi des araignées. Il y a des araignées, mais bon, c'est pas très très grave. Elles ne feront pas de mal, elles ne sont pas méchantes. Et ce soir, exceptionnellement, on a pris une tente pour Ambre, puisque Ambre va dormir dans le bunker, mais à l'intérieur d'une tente, puisqu'elle a peur des petites bestioles. Bon, moi, franchement, avec Tony, on s'en tape, on n'a pas peur. Puis, on est habitué surtout. Allez, bon, on va se terminer ce petit apéro. Je vous dis à la vôtre, les amis. Tchou-tchou, à tout à l'heure. Bon, les amis, on va passer à table, on commence à cuisiner. Donc là, les gamins, je les mets frais. Là, c'est une première pour nous. Hein. Ce soir, ça va être un burger. Bon, on bivouac, on peut pas se permettre ça. Hein. On part pas avec les pains burger ni avec les steaks hachés, quoi. Voilà, c'était prévu qu'on vienne là. Donc, on va leur faire plaisir aux petits. On va leur toaster un petit peu. Allez. Et voilà. Comme à la maison. Merci. Bon appétit. Attention, c'est chaud, hein.
Alors c'est bon? Toi, ça te plaît? Ouais. Ouais. Allez, on envoie pour papa. Eh bien, les enfants regardent un film. Je leur ai regardé un petit film sur la tablette.